Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue sur Final Games pour la suite de Tactical Assassin, dont j'ai nommé Tactical Assassin 2. Oh, de Simon Hazon, les jeux de mon enfance. Mais Bob, c'était pas ton enfance, t'étais déjà au lycée. Oui, bon, bah ça va. Ça va, je suis pas encore si vieux. Un petit peu de respect, les enfants. Dans tous les cas, ça se passe bien. Tactical Assassin 2, la suite du flash game précédent du Nawak Lennon Show. Du plaisir. Et là, il faut savoir que pour ce mini Lennon Show, je joue à ce jeu parce qu'il est autrement mieux foutu que le premier. C'est assez impressionnant. Le mec a amélioré son design à un niveau absolument incroyable. Alors, ça dit Crazy Monkey Games, mais il faut savoir que je suis sur Newgrounds. Hein. Il n'y a aucun respect. Moi, je ne respecte absolument rien. Intel. Droite, utilise le diazépam. Oh, home, go to main menu, goal, store, codes. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, on s'y plonge directement avec la musique. Toum, 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 complètement Metal Gearienne. Oui, c'est complètement pompé, mais on s'en fout. Hein. Et on y va directement. Vas-y, play. Oh. En dédicace à ses amis, sa famille et son chien. Très bien. Setup du personnage. Start new game. Reset. Reset le bling, mon gars. Graphique maximum. Et mon nom, ce sera Monsieur Pruneau. Oh non. Ah bah ce sera Monsieur P. Monsieur P pour Monsieur Pruneau ou Monsieur Pan. Hein, ou Monsieur Caribou. Oh, Monsieur C. Monsieur Caribou. Il faut l'imaginer en plus avec l'accent américain. C'est good luck. Monsieur Caribou. Allez, on y plonge. Mission 1, entraînement. Oh, bienvenue, Monsieur Caribou. C'est un simple exercice d'entraînement. Vous devez réussir à tirer. Vous devez réussir sur des cibles. On vous donne un flingue standard, un viseur standard et des balles .308 Winchester. Très bien. Il faut que vous butiez au moins 3 cibles sur 6 pour réussir, ok. A chaque fois que vous ratez un tir, ça compte comme un raté. A chaque fois qu'une cible revient à sa position d'origine, ça compte comme un raté. Soyez rapide, mais soyez patient. Bonne chance, Monsieur Caribou. Parfait. Alors il faut savoir que voilà, par rapport au premier jeu, il y a une amélioration qui est folle. J'ai un magasin, j'ai de l'équipement, j'ai un briefing, j'ai tout, j'ai de l'argent. Mais pour l'instant, j'ai 12 balles, j'ai mon fidèle Winchester et on y va. Ok, allons-y. Où est-il? Là, je le vois. Ouh, elle est belle. Elle est belle. La belle cible, mon gars. Où est-il? Là, je te vois. Ouh, elle est jolie. Ça, c'est beau, ça, mon gars. On aime. J'aimerais bien faire un petit perfect, mais sachant que j'enregistre sur YouTube, il est probable que je foire. Et pourtant, j'ai eu un espèce de petit soubresaut. Il faut savoir que le viseur bouge tout seul. C'est pas évident. Ah. Oula. Oh, ça touche, ça compte. Très bien, merci beaucoup. Ça compte. Le jeu est généreux. Qu'elle est belle, mon gars. Elle est plus qu'une cible. Plus qu'une cible de caribou. Où est-elle? Où est la dernière? Oh, je te vois. Ouh, elle est belle, putain. Bon, une à la clavicule et 5 à la tête. Je suis plutôt fier de moi, c'est pas mal. Mission, succès, excellent. Parfait, 1 500 $, 300 $ de bonus. Oh, 1 800 $ et j'ai 6 800 $ sur mon compte. Ouais, pas assez pour m'acheter une maison sur la côte. Excellent. Mission 2. Une nouvelle confiance. Félicitations, congratulations. En plus c'est congratulations, Monsieur C. Bien joué pour avoir passé votre programme d'entraînement. Bienvenue dans les exercices à balles réelles. Un homme du nom de Maillard a dit a pris intérêt dans notre nouvelle organisation. C'est le chef d'une grosse organisation qui s'appelle le FMG, Free Motive Group. Il y a 3 mois, il y a eu un meeting entre un membre d'un négociateur du FMG et le chef de la police de Bagdad pour faire un accord de protection. Malheureusement, il y a eu un problème. Le deal s'est mal passé et les deux hommes ont été assassinés. Oups. Référez-vous au 1, c'est une référence.
Personne ne sait ce qui est vraiment arrivé, mais Maya Hadi a la confiance, enfin, a confiance dans le fait qu'un de ses membres de la milice est responsable des morts. Votre première mission, c'est d'éliminer ce membre de la milice. Les informations nous confirment qu'il est en train de boire un café. Dans un café, en fait. Abattez-le, mais soyez prudent. Les innocents ne doivent pas être blessés durant cette mission. J'ai 6 800 $. Est-ce que je peux acheter de l'équipement? Attends. Regarde-moi ces flingues. Oh là là, Austrian Compact Sniper Rifle, médium distance, pas mal. Rapide. Highly powerful. Ouh, Arctic Warfare L86, il est bien celui-là, il m'a l'air pas mal ça. Il m'a l'air pas mal. Très puissant, il tire des patates. Ah oui, il tire des 300. Oh putain, c'est la violence. Hein. Fais voir. Un Remington. Oh, le bon vieux fusil de chasse, c'est classique ça. Très classique. Et un Remington M24. Je connais pas cette version. Je sais pas ce que veut dire SWS, mais écoute. Rapide, efficace, 22 000 $ cependant, hein. Tout ceci est encore un peu pricey. Un scope meilleur, parce que j'ai le premier scope, ça c'est le second. Et ça c'est le troisième pour 5 200 $. Ah, je vais prendre le viseur amélioré. Accessoirement, il me reste 6 balles, largement plus qu'il n'en faut pour tuer tout ce qui bouge. Je peux l'équiper. Oh, ce petit viseur délicieux, allons-y. Ok. Donc il est en train de prendre un café à la coffee shop. Oh ! C'était lui. Parfait, on gagne un temps fou. Excellent. 2 000 $. Oh ! Ça paye, mon gars. Mission 3, confrérie, le 28 mars 2005. 28 mars 2005, 11 ans avant l'élection de Donald J. Trump. Le moment de l'histoire, tu sais. Félicitations, monsieur Caribou. Vous êtes vous êtes un mets de premier choix dans les yeux de notre client Moya Hadi. Il était très heureux de la réussite de votre première mission. Malheureusement, pour notre client, la cible faisait partie d'un groupe séparatiste de la FMG, la milice FMG qui s'appelait les Rois Frères. Il y a 4 membres de ces Rois Frères et monsieur Hadi voudrait qu'on les élimine un par un afin de tous les buter. L'un des Rois Frères est en train de voir un forensics, comment on appelle ça? Un spécialiste, les gars qui examinent les cadavres après qu'ils sont morts. C'est un spécialiste criminel. Bon, il est en train de rencontrer un flic. Ils essaient de voir qui a éliminé le premier membre des Rois Frères. Vous devez buter le Roi Frère ainsi que le spécialiste. Ne faites pas de mort civile. Vos cibles seront assises tous les deux dans un parc. Ok. Pas de problème. Je peux acheter des choses? Ah ah, un crédit sur 50%, intéressant, je prends. Hop. Et augmente ta réponse de 50%. Je prends. Je prends et je m'équipe, mon gars. Oh! Ça commence à être du beau flingue, ça. Ah, voilà les cibles. Oh! Oh, 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 oh. Sexy ça. Oh, monsieur Lacan. Putain. Oh, si je me fais pas repérer avec ça. Ok, très bien. Victoire totale 4 300 $. C'est bon ça. Mission 4. Une nouvelle piste. Le 29 avril 2005. Excellent travail, monsieur Caribou. Cela fait plus d'un mois qu'on a eu des nouvelles de notre client. Maya Hadi nous a contacté récemment avec un problème. Il semblerait qu'il ait des difficultés à trouver les 2 rois restants. Il semble presque impossible de les localiser puisqu'ils se sont planqués en solitude. Mais il y a une pièce d'information anonyme qui a été laissée dans la boîte aux lettres de monsieur Hadi. Apparemment, il y a quelqu'un qui est proche des rois frères et qui voudrait aider à ce qu'on les élimine. Il a demandé à ce qu'on lui rende une petite faveur d'abord. Il veut qu'on assassine un docteur pour des raisons qu'il n'a pas partagé avec nous. Ces informations impliquent que le docteur quittera son lieu de travail rapidement. Assassinez-le avant qu'il entre dans son véhicule. Oh. Le drama est total. Le voilà. Ah. Dans la gorge, mon gars.
Mission accomplished. C'est bon ça, victoire. Il est pas très précis par contre mon sniper, il faudra que j'en achète un meilleur. J'ai 8 000 $ et je commence à manquer de balles. Mission 5, Full House. Et je peux mettre le point et tout. Oh, c'est trop bien. Bien joué, monsieur C. La dernière mission était une grande réussite pour nous. Nous avons une nouvelle source d'information qui nous aidera à éliminer les deux rois restants. Et il s'appelle lui-même le renard. Moyaradi n'est pas au courant de l'aide du renard pour nous, mais il nous a contactés directement. Il nous a donné les informations au sujet des rois restants. Selon le renard, il y a un jeu de poker annuel dans la maison d'un des rois restants à 2 étages. Malheureusement pour nous, c'est la seule information que nous avons. Nous ne savons pas combien il y aura de joueurs. 4 si c'est un poker. Ou quel joueur sera notre cible exacte? Et si nous connaissons. Et tout ce que nous savons, c'est le peu d'informations à propos du roi frère qui pourrait nous aider à le localiser dans la foule. Nous vous donnerons cette information dès que nous en saurons plus. Allez sur place! Très bien. Bon, écoute, très bien. Je peux pas acheter de flingue? J'ai pas les sous pour. Il me reste combien? Oui, il me reste 3 balles, amplement suffisant. 8 000. Ah, j'aimerais bien celui-là, putain. Il a une moyenne précision, sa recharge est lente, mais il tire des patates, mon gars! Et celui-là est parfait, mais il coûte 22 000 $, c'est beaucoup trop cher. Allons-y. Les informations arrivent, monsieur Caribou. C'est Fanta, je suis sûr c'est Fanta, là. Apparemment, la cible n'a pas besoin de lunettes. Ah, putain, c'est pas Fanta. Il semblerait que la cible se masturbe de la main droite. Donc c'est soit lui, soit lui. Il boit ou il joue? La cible boit beaucoup! Ce sera ton dernier les fraises, fils de pute! Oh! Et voilà! Impeccable. 8 000 $. Mission 6. Airliner. Oh. Félicitations, monsieur C. Nos succès ont fait plaisir à Moyaradi. Nous sommes maintenant un choix de qualité pour eux. Bien joué, monsieur Caribou. Pour votre prochaine mission, cependant, le renard nous a donné des informations sur le dernier roi frère. Il arrive à Al-Bakr, Irak, quelque part dans la semaine. Nous ne savons pas pourquoi il reste à Al-Bakr ou pour combien de temps, ce qui veut dire que notre meilleur moment de le frapper, c'est quand il partira avec son avion. On aura de la sécurité avec lui à côté. Il y aura de la sécurité avec lui. Votre mission est d'éliminer le roi frère avant qu'il quitte l'aéroport, ainsi que son carte du corps. Bonne chance. Ne baissez pas votre garde. Ah non, ne laissez pas le garde le voir mourir et vice-versa. Très bien. Alors, il va me falloir des balles et il va me falloir un new flingue, mon gars. Arctic Warfare! Avec des balles. Équipé. Meilleur viseur, équipement de fou. Et peut-être du diazépam ce coup-ci. Peut-être un de diazépam, je sais pas ce que vous en pensez. Écoute. Pas de soucis. Voilà, je l'ai pris. Oh! Mission failed. Ah. D'accord. Ok, très bien. Pas de soucis. Il fallait pas que je la batte tout de suite. Très bien. Pas de problème. On recommence. Ok, il faut pas que lui le voie mourir. Il a rien vu. Ouh, ils ont rien vu. Ils ont rien vu, rien entendu. Ça s'est bien passé, excellent. Victoire. Tant pis pour le perfect. Écoute, 10 500. Oh, j'ai 14 000 $, c'est cool ça. Mission 7. Disruption. Dispersion. Mayaradi a beaucoup de plaisir à ce qu'on ait réussi à assassiner les 4 membres des rois frères. Monsieur Adi maintenant pense qu'on peut... pense de manière safe que sa milice va réussir à vaincre ses adversaires. Même s'il y a beaucoup de menaces à la milice, même si on a éliminé les 4 rois frères, Moyaradi a demandé à ce que l'on s'occupe de l'une de ces menaces. Il y a un homme qui travaille pour la division criminelle irakienne qui enquête sur les bombardements, enfin les bombes récentes qui ont été causées par leur milice. Il est dangereusement prêt de réussir à compléter son enquête et il doit être éliminé. Il a une pièce dans un appartement de qualité. La seule position que vous aurez...
La seule position que vous aurez pour faire un tir à peu près correct sera du toit d'un building adjacent. Sa pièce, c'est celle au milieu, top floor, et on n'accepte pas d'autres victimes. Très bien. Eh bien, écoute, j'ai 2 balles, plus qu'il n'en faut. Ah merde, j'ai cru lire que la cible regardait la télévision. Ah, mais il est protégé derrière le paravent, je ne le vois pas. Oh ! Nique ta télé ! Eh oui, mon gars, t'arrêtes de regarder Valérie D'Amido, tu te lèves et tu meurs. Oh ! Monsieur Nakamura. Rond comme un ballon et mort comme un couillon, c'est Pac-Man. Oh, oui, il ressemble un peu à Pac-Man, c'est pour ça. Très bien. Victoire totale, 12 000 dollars, j'ai 27 000 dollars, mon gars. Dernière parole. Oh, c'est speech avec 2 E, normalement. Ou alors c'est peut-être avec EA, il me semble que c'est... T'es sûr ? Moi, il me semblait que c'était 2 E, un speech. Oh, peut-être pas, c'est pas important. On a besoin de vous pour une opération spéciale. Un client anonyme en Espagne a offert une grande somme d'argent pour vos services professionnels. Il a juste besoin de la mort d'un politicien espagnol. Il fait un speech... Ah bah tu vois, speech avec 2 E là. Il fait un speech public cet après-midi et notre information nous a informé qu'il utilisera un verre protecteur durant ce speech. Une tentative d'assassinat ratée précédemment l'a un petit peu mis sur les nerfs. Alors la sécurité sera sera très très grosse. Les armes normales ne pourront pas pénétrer la glace. Alors on vous a donné un contact militaire à Madrid pour vous donner un Beretta M82 Sniper Rifle qui tire des bras de bébé, fils de pute. Ça passe à travers 4 tanks et ça encule ta femme et ça se permet même de la faire jouir. C'est ça qui est bon. Le calibre 50 pourra percer la barrière. Ne faites pas de mal aux civils ou aux gardes. J'ai 1 balle. Parfait. Oh, il est beau. Because you'd be in jail. Oh! Mission accomplished. Build the wall! Voilà, mon gars. Oh, bah, c'était rapide. Efficace. 14 000 dollars pour ça. Eh ben, putain. Je ne me plains pas. Mission 9. L'homme boom boom. Bomberman. Alors, attends, avant ça. Déjà, on se sauce, mon gars. Ça on l'a, ça on a, ça on a. Ça on a. Voilà, et ça on a. Déjà. Ensuite. Après, tu respectes. Et voilà. Et on a 10 balles. Excellent. Parfait. Donc, quelle est la mission, excusez-moi ? Cela fait plus de la moitié, enfin, cela fait plus de 6 mois depuis notre dernière opération. Notre client nous a appelé en nous demandant plus de votre expertise. Il y a un homme dans les FMG qui se réfère lui-même comme l'homme boom boom et qui est un assassin extrêmement talentueux avec des explosifs dans tout l'Irak. Ces bombes ont réussi à buter plus de 150 des cibles de la FMG. Oh, le terroriste, c'est Bomberman le mec. C'est là, c'est littéralement Bomberman. Il est là, yaha, c'est avec les vrais bruits de Bomberman et tout, comme Kirby. Sa nouvelle mission est de piéger un véhicule d'un officier politique irakien avec une bombe à distance qu'il pourra détonner dès qu'il sera à bonne distance. L'homme Boom Boom a demandé que Mayaradi engage de l'assistance supplémentaire pour cette mission puisque le véhicule sera constamment sous surveillance. Votre travail est de faire en sorte que l'homme Boom Boom puisse atteindre le véhicule sans se faire remarquer. La partie difficile, c'est que vous n'avez pas le droit de tuer ou même de blesser n'importe lequel des gardes. Le Boom Boom a insisté énormément qu'il soit responsable pour les morts. Bonne chance. Vous serez filmé, enfin vous serez timé pour cette mission. Ok, distraire les gardes pour que le bombardier puisse planter sa merde. Et ok, très bien. Eh bien écoute, allons-y. Oh, il est là le gars, très bien. Derrière toi mon gars, regarde. Oh non. Non. Bah alors. Bah alors ça marche pas ? Bah ça marche pas, ok très bien. Ok, y'a un qui se casse, et ça ? Ok bah y'a un qui marche, ok c'est bugué. C'est bugué, si je puis me permettre, hein.
Ça m'a l'air un peu buggé, là. La Brigitte, j'ai envie de dire, what the fuck. Aucun de mes tirs ne faisait rien, surtout que j'essayais de détourner son attention. Bah écoute, on va passer, voilà, le gros, hein. On va passer au gros, mon gars. J'aime bien comme personne m'a remarqué, quoi. Donc, qu'à cela ne tienne, Gisèle, aucun problème. Et là, ça passe. Équipement. Ok. Alors, je suis bon, là. Avec un petit coup de diazepam, allez. Oh! Et là, il bouge l'arbre! Oh putain, ce mec, il est tacticool! Oh, les bouteilles! Regarde, il y a quelque chose qui s'y passe! Tink, 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 tink! Putain, il reste lui. Oh, regarde, ça s'est cassé. Est-ce que tu peux aller le réparer, mon gars? Tac! Vas-y, colle-lui la couille. Ouais. Terrorisme! Oh! Tactical Assassin 2, mon gars. Ah, j'ai essayé de la battre, mais j'ai pas pu cliquer. Le mec était parti cueillir des pâquerettes. Victoire totale! 25 000 $! Ouais! Tactical Assassin Action, excellent, entre ton score ici. Beat, voilà, parfait. Submit, mon gars. Fais les déductions, total score, continue, machin, tu sais tout. Bah, c'est parfait. Victoire totale, 100% de précision, mon gars. Bah voilà. Voilà, il y a un respect. Il y a un respect. Bah voilà, merci Simon Azon. Tactical Advisor Soundman, d'accord, Cody Hanway qui a fait deux bruits. Ça veut rien dire. Dans tous les cas, voilà, chers amis, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo sur Phantom of Games. Je vous fais de gros bisous et aujourd'hui, on a bien assassiné des caribous. C'est ça qui est bien. Félicitations, monsieur caribou. Si quelqu'un fait un bon accent allemand, j'aimerais bien entendre cette phrase, ça me ferait rêver. Sur ce, des bisous et à la prochaine. Allez, zou. Ah, ça veut rien dire.